Hey, salut à tous les amis, c'est Sven Sketch, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi écoutez, ça va très très bien. Donc là, pour changer, on se fait une petite ouverture en extérieur. Donc si vous entendez un petit peu de bruit, par avance je m'en excuse, j'habite à côté de la route. Donc j'espère quand même que ce sera pas trop perturbateur pour cette petite vidéo, car j'avais vraiment envie de changer un petit peu d'endroit. Hein, voilà, dehors on est bien, il fait beau, il fait chaud. Voilà, donc on est là pour s'ouvrir un petit booster soleil et lune, donc à l'effigie d'Archéduc. Voilà, alors avant l'ouverture de ce booster, voilà, je voulais que vous sachiez que moi j'achète mes boosters donc à Leclerc. Donc le prix du booster est à 5,50€. Donc vous voyez, prix Leclerc. Sauf que depuis quelques temps, je remarque, voilà, vous voyez, il y a encore un bout de l'autre étiquette qui est en dessous. Et en fait, j'ai réussi à décoller cette étiquette pour découvrir qu'en fait le prix de base est à 4,50€. Donc au final, bah, j'ai l'impression de me faire un petit peu avoir en achetant ces boosters à 5,50€ chez Leclerc, alors que bah, à la base, ils les font à 4,50€. Donc je suis un petit peu... Allez, la mise au point, mon pote, s'il te plaît. Non, c'est bon, voilà. Donc je suis un petit peu déçu quand même de payer mon booster 1€ plus cher qu'ils ne le vendent à la base. Mais bon, voilà, 5,50€, j'ai pas trop à me plaindre. Il y en a qui les trouvent à 6€, 6,50€. Donc bon, voilà. Allez les amis, on passe tout de suite donc à cette petite ouverture. Tac, tac, tac. Donc comme vous pouvez voir maintenant, j'ai rajouté mon petit fond en plus là pour faire ça un petit peu mieux, voilà, que ce soit un petit peu plus habillé aussi lors des vidéos. Tac. Hop, alors le petit code, c'est pour vous. Voilà, super. Alors 1 2 3 4 1 2. Donc évidemment, on est en recherche d'ultra ou d'holo, hein. Ces derniers temps, j'ai vraiment pas eu de chance, mais bon. C'est la vie, que veux-tu? Allez, donc nous commençons avec Mascaïman. Picasso, allez, la mise au point, alors mon pote. Voilà, merci. Piafabec. Mimantis. Spododo. L'énergie métal, il me semble. Spinda. Coup de poing fou. Allez, tu m'étonnes. La petite dresseur Lily, alors est-ce que je l'avais celle-ci? Il ne me semble pas. C'est bien, ça complète. Ponchien. Petit art en reverse. Je l'avais pas non plus en reverse celle-ci. J'avais le petit art normal, il me semble, mais pas en reverse. Donc très très content d'avoir cette petite, ce petit art en reverse. Bon, c'est dommage, c'est une commune. Et enfin pour terminer, oh là là, oh là là, non, pas de crabagarre s'il vous plaît. Oh, Mastouf! Bon, elle n'est pas holographique non plus, c'est dommage. Mais je crois que je l'avais pas. Bon, ben voilà, on finit sur Mastouf. Super. Bon, ben voilà, hein, que dire. Petit art Mastouf. Que dire de plus? Pas grand-chose. On termine cette vidéo là-dessus. Voilà, j'avais préparé les protège-cartes au cas où. Mais ben écoutez, tant pis. Voilà, donc pour ceux qui me suivent aussi pour mes vidéos Pokémon Go, je devrais en tourner une dans l'après-midi. Le montage, je le commencerai certainement demain, car ce soir je n'aurai pas le temps. Elle sera sûrement en ligne, bah, peut-être bien après-demain, voilà. Quelque chose dans le genre. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao !